Hey, bonjour à toutes et à tous, ici Tatsu et bienvenue, chers amis, dans notre second épisode de Saloon Simulator. En fait, c'est le second épisode du premier Saloon Simulator, c'est toujours pas le 2. Enfin bon, bref, voilà, j'ai envie de finir quand même la démo. Je sais pas combien de temps elle va durer et je sais pas si on va avoir l'occasion de changer un petit peu. J'aimerais tellement changer ce parquet dégueulasse. Je sais qu'ils peuvent. Ah oui, c'est vrai. On doit regarder ce qui se passe à l'extérieur et prendre le pognon. Qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu le truc là. Il y avait un truc ici là. Non? Meubles et autres. Fond d'écran, plancher, ouais, plancher, regarde. Chambre d'hôtel, pénurie, penderie, pardon, pénurie. On dirait un feu qui crépite. Fait mal aux oreilles. Ah, mais j'ai rien, rien, tout. Et j'ai rien dans tout. Bon, bah, j'ai tout, mais j'ai rien dans tout. Ok, bon. Et bah, allons voir. Oh, putain, cette toile d'araignée qui me run de fou. Bon, je sais pas combien de temps elle va durer cette démo. Et donc, peut-être qu'elle va durer 20 minutes, peut-être qu'elle va durer une demi-heure, peut-être qu'elle va durer une heure et demie, mais il faut qu'on la finisse. Voilà, il faut qu'on la finisse. Vous l'aurez compris, bon, j'adore le jeu, j'aurais bien voulu qu'il sorte samedi après-midi, mais YouTube a du mal à mettre la 4K. En même temps, genre, je fais des grosses vidéos. Toujours des grosses vidéos. Bon, bref. Et ben, allons. Oh, patin, mais ils sont revenus, là, les ordures. Oh, qu'est-ce que c'est que cette main? J'avais pas tout jeté et... Oui, parce que j'ai redémarré avec le shérif, là. Le shérif qui, évidemment, se demande pourquoi son assistant est devenu un cadavre et pourquoi il est introuvable. Si seulement il savait. Mais c'est pas de ma faute. C'est W, là. Ça a l'air d'être un vilain. Un très très vilain, mais qu'il faut pas contrarier. Ah, la vache, c'est rouge rouge, hein. Attends, apparemment, c'est le lever de soleil. Alors bon, eux, ils restent là toute la journée. Oh, ouais, pourquoi pas, tu me diras. Hein. Allez. Bon, pose ça là. Pose ça là. J'aimerais bien voir si je peux casser. Alors, on avait essayé, il me semble, mais avec d'autres trucs dans le genre là. Pas du tout, mais là. Si, au moins ça. C'est jamais des fois qu'on peut passer. On peut... Voilà. Bon, bah, tant pis. Par exemple ça, tu peux pas? No. Oh, oh, le saut. Tant que je suis là. Voilà, comme d'habitude, on ramasse le caca, on fait le ménage dans Tatsu Game Show. La chaîne est spécialisée là-dedans. Hein. Si vous nous découvrez, vous aurez longuement l'occasion de voir que dans les simulateurs que je fais, le caca a une place importante. Ah, ça c'est bien ça. Je peux poser la chaise. Oh, j'aurais bien voulu ramasser plus de merdier. Bon, alors on a complètement raté le coup avec le shérif et ce qu'il nous a demandé comme boisson. Tu veux que je passe le balai là de là? Non, c'est juste des machins qui volent. Ah, oh, pourquoi pas. Hein. Bon, allons voir le type là. Qu'est-ce qu'on avait vu? Alors, c'est pas un duel apparemment. Tu veux te battre contre personne? C'est quoi, un employé? C'est qui? OMG, qui es-tu? C'est un Asiatique. Alors, les Chinois, enfin, venaient pour bosser sur les chemins de fer. Qui devaient traverser le pays avec, alors... Et bonjour! Bon, bah, le soleil qui se lève doucement. Ah, la vache! Ouf! Alors, c'est une démo? Bon, mine de rien, ça claque, hein. Ah! Il y a un nuage? Ah! Ça recommence? Bon, monsieur! Good day. Cheyenne, the new bartender. Nice to meet you. Oh, pardon. I'm Earl. C'est Earl. Ah, t'as pas une tête de. I can help you with those crates. Excusez-moi, mais. No, I can handle it. It's no trouble. Let me. Qu'est-ce que tu veux? I can't pay you. Nouveau Go résident. Away. Pourquoi? Ah, il veut une chambre. I don't want money. It's just a friendly gesture. Hmm, that's new. Listen, these crates are really heavy. That's not a problem. All right, just don't drop them and don't expect a discount. Oui, attends. Elle hurle avec les caisses. Bon, on n'a pas de. Allez. Ah, mais il s'installe. Oh, bah, c'est cool. Et bienvenue, Earl. Oh, il s'installe. Ça, c'est génial. Franchement, ça, je kiffe de voir que la ville peut reprendre here. Vie.
et que des gens peuvent ouvrir autre chose juste à côté. Ça, c'est trop cool. Et tu vas faire quoi, Earl? Je parle avec lui comme si t'es vraiment en vie. You decided to come back to Blueberry. Blueberry. The big city business didn't work out. Come back, il revient. The boss values peace and the lack of competition. D'accord. What's his name? Et il bosse aussi pour Her. Ah, non. Addie McKay. Her, c'est une fille. So, Earl and Addie. For you, it's Miss McKay. It's Miss McKay. Sorry. When is she coming? Soon. Allez. Okay. Elle est mignonne. Elle est célibataire. Elle aime les petits barman empotés. There's one left. Could you go get it? I'll start unpacking. D'accord. Sure. Commence à déballer pendant que je vais chercher la dernière. Bien sûr. Oh. I need to pick this up. Oh, dis donc, mais c'est qu'il y a des outils là-dedans. Wow, des plans de table. Tu crois qu'on les fabrique? Oui, non, mais pardon, excuse-moi. Bon, il va vendre des outils, c'est cool. Il y a un dernier outil qui nous manque. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un dernier outil qui nous manque. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Est-ce que je vais le trouver là maintenant? Tout de suite, il va peut-être me le donner. Un marteau, je sais pas. Si j'avais un marteau. Et Earl, eh bien, right, ma poule. When can I buy furniture from you? We'll start production when the boss arrives, but there are still a few unsold pieces in the basement. I'll get rid of it for the price of firewood. Can I see? Sure. Donc il y a encore des pièces à vendre. One more thing. En bas. Take this for the help. I told you. Take it. I don't like unpaid debts. Like I said, a friendly gesture. Have it your way. J'ai 140 balles. Imagine pas la fortune que ça fait ici. Et puis si on peut se faire un pote. Du coup, there is the your basement. Ah oui, d'accord. Bah voilà, parfait. Ouf. Oh, 0,5. 1 dollar. Un canapé. I take the canapé. The chair. Est-ce que tu as des... Ah, ça c'est les chambres. La cuisine. Il n'y a rien dans la cuisine. Il y a les tables. Oh, il y a des belles tables. Oh, regarde ça, elles sont magnifiques. I take this. 1, 2, 3, 4. Ah, 3, c'est 9. Une comme ça, peut-être deux comme ça, je sais pas. La cuisine, les sièges. Ah, de belles chaises. On peut mettre ça, tu crois? Des chaises à 1 dollar. Des chaises à 1 dollar. Je sais pas si vous imaginez, c'est la fortune que c'est. J'ai pris un canapé à 1 dollar là. Non, oui, t'imagines, t'as 140 balles, tout coûte 1 dollar. Énorme. Énorme. Donc, j'ai pris 3 tables. Il y a 4. Chaise sur chaque table. Ça va faire 12, un connard. Allez, 12. Je sais pas si on peut faire ça. Ça fait 12 dollars déjà. Énorme. Énorme. Bon, ça, on en a. Dis-moi ce que tu as en tout. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu as un plancher valide? Waouh, le plancher. Énorme. Tapis matériaux. Le plancher, il n'y a que ça. Waouh, ça aussi, je prends. Des rideaux. Peau d'ours. Et on l'a déjà tué. Oui. Oh putain, je prends tout. Patin, je prends tout. Ça fait 45 dollars, la fortune. La fortune. Je sais pas si j'ai déjà ça. Mais je sais pas combien il fait le tapis. Et fond d'écran. 0,50 centimes. Oh, je sais pas, ça c'est bien. Ah, le bar, on peut racheter un bar. On peut racheter ça aussi. Bon, les chaises sont sympas. J'ai pris les grandes chaises. Elles sont pas mal, ceux-là. Qu'est-ce que tu penses de ces... Oui, non, je peux pas avoir de... Ouais, bon, disons que c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Je prends. I take everything. Oui. Ouais, on va pouvoir le changer, le saloon. C'est trop bien. D'accord, donc là, j'ai un marteau. Et j'ai... Bon, ça, c'est personnalisé. Oui, évidemment. On le personnalise quand on le referme. On va avoir des lits, on va avoir Let's des... Do a little rearranging here. Bah, attends. Bah,
Comment ça? Oui, déjà. Ah. Yeah! Ça, c'est cool. Ça, ça me plaît. Ok, $20 pour ça. Oh, il est dégueulasse aussi. Il est dégueulasse aussi. Il est absolument immonde. Ah, parce que j'avais acheté des styles. It already looks better. Already looks better. Ah, tu vois, regarde, maintenant, on voit la saleté. J'entends quelqu'un. Eh, madame, bonjour. Je peux personnaliser le tapis? Une peau d'ours. Ouais, allez. Faut que j'achète plus de peau d'ours, j'imagine. Excusez-moi, j'arrive, hein. Je suis à votre service immédiatement, madame. Hein. Bon, c'est pas le plus beau bar du monde, mais au moins, c'est un bar. Il n'y a pas plus de tapis. Ah si, d'accord, je peux faire d'autres modèles. On peut pas changer la couleur, elle est dégueulasse la couleur. Et puis ça a l'air d'être toujours aussi poussiéreux. Non, les fenêtres aussi on peut les changer. Ah, les murs! C'est ce que t'appelles fond d'écran? Oh, pourquoi pas, hein. Ça, je peux pas le changer tout de suite. Je crois que j'ai tout acheté, hein. Je crois que j'ai tout acheté. Donc on va vraiment pouvoir tout changer. Ça aussi, ça dégage. Eh ben, pas tout beau, tout neuf. Mais quand même, c'est pas mal. Et oui. Ah mais c'est ça, il faut tout casser. Là. Enfin, il faut tout casser, OMG. Oh, l'escalier, tu crois qu'on peut? On n'a pas de style. La rambarde non plus. Ah. Bon, madame, bonjour, je pense que c'est vous la patronne. Oh, le piano, on peut avoir un piano. T'as vu, il est content, il peut avoir un piano. Dans le style. Et ça, est-ce qu'on peut, on peut pas changer? D'accord, il y a plein de choses qu'on peut changer. Et c'est cool, on peut mettre des meubles là-haut. Non, je pars maintenant pour l'instant. Tout casser. Bah alors? Bah alors? La toile d'araignée. Je vais chercher les... Ah bah oui, bah évidemment. Mais je vais peut-être devoir aller chercher des peaux d'ours. Oh putain, mais pourquoi toi tu casses pas? Ok, chers amis, voilà, ça c'est fait. On peut aller chercher directement dans le merdier. Bon, je l'ai sur moi aussi, les tables. Que j'ai enlevées d'ailleurs, je pourrais en plein. Mais celle-là, je peux la sortir. Par contre, il y a des sièges, tu vois. Je peux pas les sortir sauf ceux-là. C'est-à-dire, il y a des sièges, j'ai le droit de les sortir, d'autres non. Parce que ceux que j'ai achetés, en fait, ils vont à des endroits précis. Donc j'ai acheté des petites chaises comme ça et comme ça. Et donc ça, je peux le sortir. Voilà, ça, je peux le sortir. Oh, attends, je peux faire comme ça parce que je pense que c'est possible aussi. Alors, les meubles, les sièges... Il faut... Alors, est-ce que je peux en sortir plusieurs d'un coup? Les chaises, les meubles, les machins. Ouais, alors... D'accord. Par contre, ceux-là, magasin, on va les vendre. Donc ça, tu te prends. Bon, c'est... J'ai un peu fait n'importe quoi, je vous le cache pas. Ah, il y a que deux chaises qui vont là-dessus. Où est ça? OMG. Doit te de fuck ils appellent. Bon bah pourquoi pas. Pourquoi pas, du coup toi, j'ai... Voilà. Ah oui, alors autre chose, regardez. J'ai le marteau mais je peux teindre. Donc si je veux un... Soit plus gris comme ça, soit plus... Mais c'est des couleurs qui sont très pastel. C'est pas évident, ça c'est très très rouge. En même temps... Ah oh, je sais pas, j'ai du mal hein. J'ai du mal, je crois que je vais laisser le... Oh putain, il est très vert quand même. J'aime pas trop. On va laisser en gris comme ça, regardez. Et celui-là aussi, regardez. Je crois que j'avais vu quelque chose dans le style là que j'aime beaucoup. Mais tu vois, ça c'est pas... Là, il y a du contraste, c'est très très bien. Et même les tables, on peut les peindre. C'est pas incroyable, mais voilà, ça existe.
ça existe. Donc toi, je peux rajouter une peau d'ours ici. Parce que why not? Après, la peau d'ours, je peux la personnaliser si j'en ai d'autres modèles. Mais voilà. Est-ce que toi, je peux te teindre? Et je peux te teindre. Je sais pas ce que vous en pensez, on peut le mettre en rouge. Ça claque un peu, mais ça fait vraiment maison de passe. Parce que j'ai pas de quoi le... Ouais, l'escalier aussi, tu vois, mais voilà. Au moins... Dans... Non, je peux pas repeindre ni l'escalier, ni le... la main courante. Tant pis. Pareil. Là, tu vois, j'ai mis ça. Voilà, j'ai mis ça. Normalement, si j'achetais le schmurtz, comment on dit déjà? Le machin bidule chouette. Bon, elle est charmante, mais elle a l'air vénère. Bon, ça, on a déjà mis celui-là. Mais on pourrait le peindre dans une couleur un peu plus... Ouais, bah, qui ressemble un peu... Voilà. En tout cas, ça a l'air propre. Et puis, ça fait du bien. Et puis, au-dessus, je pense que... Ah, j'avais acheté un canapé. Ça, c'est... Bon, non, rien. Par contre, je peux te repeindre. Oh, je sais pas. Oh. Non. Sur le mur, sauvegarde. Bon, bah, au moins, ça fait plus propre. Monte. Encore une fois, je peux mettre un tapis un peu pourrave. Je peux changer le modèle du tapis. Et, alors, est-ce que je peux tout le... Ouais, ça c'est cool! Je confirme, pas du tout. Il l'a pris? Ouais, il l'a pris. Et du coup, alors il faudra que je casse tout ça. L'espace est encombré. Et voilà. On aurait fait bien sûr, mais le fait d'avoir rechargé la save, ça a fait que... Bon bah voilà. Ça prend vie, et ça c'est cool. Ah, j'aime beaucoup le jeu, je m'y sens bien. Est-ce qu'on peut... Ah, c'est dégueulasse, ça. C'est bien dégueulasse. Et du coup, hop là, remets ça. Le mode, le style. Par contre, est-ce que je peux les teindre? Ah bah oui. D'accord, ils sont toujours aussi immondes. Mais quand même... Un truc un peu plus foncé, quoi. Ouais, quand même. Mais quand même, c'est mieux. Bon, toi, je peux pas te peindre, c'est normal. Toi, on peut essayer de te teindre. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et ça... Et bah, c'est mieux. Non, pas du tout. Oui, excuse-moi, mais... Et voilà. Et là, je peux, normalement... Je crois que j'en ai acheté plusieurs. Oui, bon, bref. Je déplace les canapés, mais voilà. Et là, vous savez, j'avais pris. Attendez, on va nettoyer toute cette merde. C'est bien que ce soit pas juste gratuit. Ouais. Donc, du coup. Non, j'apprécie. Là, tu vois, on a les photos qu'on a achetées tout à l'heure. Et j'en ai acheté beaucoup trop. Je pensais mettre... Bon, alors, il faudrait que j'aille acheter des... Ah, même ça, on peut le changer. C'est génial. Bon, par contre, ce mur-là, ça dégage. Le style. Je peux pas. C'est étonnant. Même les fenêtres, on peut les changer. Et ça, c'est cool. Il y a des décorations. Les décorations aussi, on va pouvoir les changer de place. C'est toujours rouge. Bon, c'est toujours rouge. La petite table ici. Et puis, je peux plus rien mettre. Hein. J'ai plus de peau d'ours. D'ours, pardon. Bon, bah voilà. Il est pas beau notre rad. Il faut que j'aille jeter des trucs là. Ok. Bon, bah. Du coup. Il est quand même vachement plus beau. Regarde-moi ça. Ah, c'est sûr, ça change. Est-ce que... Attends. C'était sur I. Que je sorte les fauteuils que je achetais. Enfin, les sièges.
luminaire. Il n'y avait pas. Je suis retourné au magasin. Il n'y a rien d'autre, malgré l'arrivée de la dame. Des rideaux. Il faudrait qu'on pose des rideaux. Je ne sais pas trop où les poser, mais... Tu vois, c'est ces fauteuils-là. Tiens. Ah si, ça va là. On peut mélanger les styles. On peut mélanger les styles. Articles, meubles, luminaires. Le problème, c'est qu'on fait tout un par un. Voilà, c'est un peu dommage. Non, mais comment je faisais? D'accord, parce qu'il y a un bouton. Si tu restes appuyé... Bref, vous le verrez quand vous jouerez à vous. Ah oui, en fait, j'ai des nouvelles. Chambre d'hôte, non. J'ai 2-3 petites infos. Globalement, je pense que la démo devrait arriver le 5 juin. Voilà, c'est-à-dire prochainement, vous allez pouvoir également jouer à ça. Pas belle la vie. Pardon madame, je vous ai fait attendre. Putain, mais ça c'est que je prends une saloperie. Oh, ça, putain, mais ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps. Et ça, c'est un ramassable. C'est un petit bug, je pense, c'est un petit bug. Impossible. Bon, c'est pas grave. D'accord. Oh, putain. Bon, je vais jeter la poubelle. Hein. On va déjà parler à la dame. Madame, bonjour. On va parce qu'on va se mettre en face d'elle. Ah, mais elle veut un verre. Bah, ok, d'accord. Allez. Non, je pensais qu'elle voulait me parler, moi. 3 doses de whisky. Oui, c'est vrai, je passe avec la... avec D. Et... Je passe avec D. Et voilà, madame. Pas de glaçon pour madame. Ah, madame a du caractère. Thanks. You're welcome. Your half. For the first corpse. Cersei? Half. Comment ça, half? Ah, peut-être à yep. Moitié Cheyenne. Half. Didn't W tell you? About what? About what? D'accord. Damn. Well, anyway. Ah non, mais c'est la croquement ou c'est la... You will find la... out sooner dame than me what ouais. This key opens. Judging by where he hid it... It must open something valuable. Wait, hold on. You mean to say you'll pay me for bringing you bodies? Ah bon? If I find something on them. And if the body didn't belong to the sheriff or some other big shot. For such hot merch, I take everything for myself. Ouais, bah régale-toi. Moi, les affaires marchent en ce moment. Sounds fair. I think so too. One more thing. Oui, non, mais je vais pas t'emmener le plus de monde possible exprès, hein? On n'est pas là! On n'est pas là, madame! I won't be checking their pulse, if you know what I mean. Oui, check de... Check si tu veux. Oh, qu'est-ce que c'est? On m'a filé une clé. Oh, see mais you. Maintenant que j'ai un beau bar, enfin... Oh. You mean? Oh. Never vérifier mind. Vérifier ce que la clé ouvre. Ah bah, oui, bien sûr. Non, ça doit être chez moi, ça. Est-ce qu'on a checké tous les... What's this? C'est mon chez-moi. Le bureau est un endroit qui, à l'avenir, servira de conserver les trophées. Oh, génial. Ouh, il y a du pognon, là. Du pognon. Est-ce que, évidemment, la première chose que je vais faire... Oui, quand tu veux. Ah, non, c'est bloqué. D'accord, on peut poser des trucs et des choses, mais... Ah bah tiens, j'ai plus. Bon, par contre, on a un vieux fauteuil nul. Non, non plus. Une chaise. Ah, et puis ça. Ouais, ok. Arrête d'être trop con. Et bah voilà, ça c'est pas mal, ça s'ouvre vers l'extérieur. Jette un coup d'œil dans la pièce. Ah bah une lettre, d'accord. Alors, cher Simon, tout va bien pour les enfants, maman est très malade, ne vivra pas longtemps, tu as promis de ne pas boire, nous sommes très inquiets pour toi, mon pauvre petit frère, tellement battu. Quoi? Mon petit frère, ils t'ont tellement battu, qu'ils ne t'ont pas... Ce n'est pas de ta faute. Tu peux forcer les gens à venir... pardon. Je sais pas ce que tu... Bon, bref. Tout mon amour. Allez. I'm sorry, Elizabeth. His luck ran out. It's been a long day. Should I go to bed or open the saloon for a bit more?
Ouais, non, mon bro, ça marche pas comme ça, va te coucher. Hein. Oh. Oh, allez, laisse-le dormir. Je sais pas, hein. Je sais pas. Est-ce qu'on devrait pas bosser un petit peu? Putain, il faudrait tout casser à chaque fois. Et ça marche pas. Non. Donc ça, c'est un style. On peut avoir aussi des carreaux de cuisine. Il a vraiment plus rien, machin. D'accord, même les étagères, on peut les changer. Je sais pas, est-ce qu'il me laisse ouvrir quand même le saloon? Écoute, bro, moi je suis pas fatigué personnellement. Maintenant ouvert. Et puis, tu vois, bien, mercredi, est-ce que j'aurais dû... Bon, on va laisser les poubelles... Ah, putain. On va laisser les poubelles ici. Il fait grand jour. Où sont les clients? Ah, je crois qu'il y a du monde un peu sur le gauche, sur la droite. Non, est-ce que j'ai vu quelqu'un là? C'est bien quelqu'un là. C'est un monsieur avec un chapeau. C'est le chercheur d'or. Hi-ha! Dis donc, mais pas promis 20%? Vous avez, si vous vendez dans cette merde, oh, dormez là-dedans. Oh, le pauvre, un petit verre, vous venez boire un coup, Samuel. Bon, j'adore la tronche des gens, évidemment. Ah, voilà, je crois que les non, mais il y a des clients ou il n'y a pas de clients? Oh, Doug, il veut me forcer à dormir. À 10 contre 1, il veut me forcer à dormir, oui, complètement. Bon, bah, et tant pis. Pas d'ouverture pour le salon, et j'imagine que toi, t'as rien à me vendre de différent. Tchit, différent. Pas de différence. D'accord, Nikola Tesla. Et il ressemble quand même, non? Ah, il y a un petit quelque chose. Ah, allons-nous coucher. Revenons au jeu, mais allons-nous coucher. Alors, vous avez débloqué une nouvelle recette. Jean droit. D'accord, on va mettre du jean. Jean and the Rock, et puis jean quelque chose. J'imagine qu'il va falloir l'acheter. Oui. Tous les salopards qui sont recherchés. Découvrez ce qui s'est passé dans le saloon. Good morning, Samuel. I thought I closed for the night. Allez. Morning, you did. But for locals, it's more of a suggestion than a rule. Bon, c'est dommage que les lèvres ne bougent pas. C'est compliqué là, synchro labial. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? What brings you here so early? T'as de l'or là-dedans? Good news. Old John Morris up and died. Eh ben alors, c'est une bonne nouvelle. Je ne connais pas le mec. For you, sure is. Big debts at the bank, and this morn they're auctioning off his belongings. It wouldn't hurt to replace a few things in the saloon. Attends. What's available? All sorts: tables, chairs, beds, paintings, even hunting trophies. Trophies? He was fond of hunting? Fonds, la décoration. Mildly, Earl's already gone to check him out. Said he'd swing by hereafter. You know each other? I mean, you and Earl? Sure. Him and Addy, they lived here up until recently. Alors, Earl's c'est a bit qui sera, on the shy side, but he's got a heart of gold. Bah, give him a chance. Okay. Got it. I'll wait for him then. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Another thing. About that dinner yesterday. C'était dégueulasse. Did it sit well with you? Tasty as can be. About time someone used that kitchen right. Then stop by any time. In return, brought you these pints from a trader trying to make beer a thing here. It didn't take. Could use them. Just what I needed. What the heck was I thinking taking them? Much obliged. Glad I could return the favor. I best be off now. See you around. Ouais, see you, hein. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des shops. Est-ce qu'il y a une place pour ces merdouilles? Des chopes à bière. Et ben voilà. Des chopes à bière. Bon, heureusement qu'il nous fait pas nous retourner. Oh, c'est dégueulasse. Ok, ouvre le saloon. On va déjà faire quelques courses. Bon, même déjà comme ça, c'est moins dégueulasse. Ah bah ça fume encore. Ça fait que 3 jours. Et que 3 jours que c'est là, c'est pas grave. Cheyenne, I brought you some supplies from the big city. J'arrive mon poulet, j'arrive. J'imagine que t'as des nouveautés. Alors, et bah super, donc il a du jean. À 75 centimes.
Je vais tout prendre. Il y a des carottes. Il y a du jus de citron. Prends les carottes. Le café. Ah non, c'est des haricots. C'est des haricots. Génial. Donc, on va sûrement cuisiner autre chose. 2 centimes. Patin, 2 centimes. Poivre de Cayenne. Jus de citron. Du sucre. Je crois qu'il peut... Il ne va pas me... voilà. Ça fait plaisir. Je pense qu'il va pas me laisser avoir plus que ce que je peux avoir en capacité. Je pense que j'ai plus beaucoup de beurre ou d'abat. Ah, 15, tu crois? Oh, je sais pas. Ok. Whisky, on n'en a jamais trop. C'est la base. C'est la base. Mais où est la bière? Où est la bière? L'autre, il m'a filé des... Combien je te dois, là? 15 dollars. C'est une fortune. Et c'est une fortune, mon bro, là. Allons-y. Ah, mais il y a de l'eau, maintenant, dans les trucs. Il n'y avait pas ça. Il y a de l'eau dans les abreuvoirs. La vie commence déjà à changer. Oh, j'adore. J'adore. Il est moins dégueulasse, son magasin? Oh, je sais pas. Ouvre le salon. Oui, j'arrive. Oh, attends. Qu'est-ce que quoi? Ah oui, c'est les bouteilles de gin. Mais qui c'est, ce gin? Oh, j'adore ce bar bien rempli, là. Est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'on a du... Est-ce que j'ai acheté de l'eau? Je suis même pas sûr. Oui, alors, l'eau, c'est là-haut. J'ai... Alors, ça, c'est le sirop de sucre. Est-ce que je vais acheter de l'eau? On reviendra. Ça, c'est... Évidemment, il y a une nouvelle recette. C'est le piment de Cayenne, j'imagine? Non, c'est le sucre. Où c'est que je mets le reste? Ah là, il y a des herbes séchées. Non, donne le truc. La viande. Où c'est qu'on met la viande? Dans le torchon, j'imagine. Bon, je veux dire. Tu vas faire dodo. Oignon. Les carottes. T'as pas les carottes? D'accord. Alors, ça c'est le beurre, tu vois. Je peux en mettre 15. Mets la viande. Où c'est que je mets la viande? Non, parce que là, ça c'est le truc dégueulasse où tu mets la viande. Excusez-moi, ça je prends. On va bien trouver. No. Parce qu'ils vont me demander de cuisiner. Vous savez, cuisiner. Ah, c'est une cuisine nulle, quoi. Cette cuisine nulle. Ah d'accord, tu remplis une vache. Ça veut rien dire. Tu remplis une vache. Ça veut rien dire. Patin. Je sais pas si je te veux. Non, tu vois, on n'a pas fini. Ça, c'est les carottes. Est-ce que je t'ai acheté de l'eau, bro? Prends de l'eau, on sait jamais. Je préfère tout avoir, surtout pour ce que ça coûte. On est tellement riche là. Je pourrais acheter la ville avec tout ça. Et qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah oui, c'est tout le reste. Ah oui, on a fait de grosses courses. Ok, les pichets d'eau. Il faut regarder le... Ah oui. Les abats. Et les courses pour un mois là. Le poivre de Cayenne. Ici. D'accord, donc ça c'est des haricots. Ok, le jus de citron. Les carottes. Puis ensuite... Là au-dessus. D'accord, c'est le jus de citron, hein, c'est ça. Hein. Bon bah génial. Je crois qu'il manque plus grand chose. Un seul. Oh, vous restez avec moi, hein. Je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus amusant. Vous restez avec moi, c'est la vie. C'est la vie du saloon. Bah qu'on pourrait couper, hein.
pourrais couper, c'est tellement passionnant. Plus de carottes. Eh ben voilà, tu vois, j'ai bien fait de pas couper. On aurait raté les carottes. Excusez-moi, chers amis. Bah, dites-moi ce que vous en pensez du jeu, de ma façon de jouer. Est-ce que vous me détestez? Est-ce que vous voulez mon adresse pour venir me péter la gueule? J'imagine que c'est oui pour certains. Si vous saviez. Bon, bah allez, c'est parti. Allez, open it. Open it, open it, open it. Voilà. Alors, servez vos invités. Alors, par contre, il y avait une nouvelle recette. Et où est la livre de recettes? Mais il est là. Alors, est-ce qu'on peut faire le reste? Peut-être qu'il y en a forcément un qui va vouloir faire autre chose. Obligatoire. Je vais manger autre chose. Ah, monsieur, j'imagine que vous voulez manger un plat. Voulez-vous acheter quelque chose? Oui, d'accord. Est-ce qu'on peut lui cuisiner tout de suite quelque chose de différent? Qui est différent? Oui, alors selon la recette, aucune recette. Aucune recette, aucune recette. Alors, suivre la recette. Non. Si on faisait beurre, oignon, viande d'organe, non, on va éviter. Viande d'organe, non. Pommes de terre. Est-ce que j'ai des pommes de terre? Je sais pas. Est-ce que j'ai du bœuf? Du pain dur, des carottes, poivre de Cayenne. Ça peut être sympa. Il y a déjà une étoile. Ça, c'est ragoût de fils de pute. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? 3 pièces de viande d'organe, du pain dur, du jus de citron. Eh, vas-y, fais-moi rêver, là. Du haricot, du chili con carne. Je fais un chili con carne qui est merveilleux. Ok, donc on avait dit... Ah, ajoute du bœuf. Combien de bœuf? Ajoute du pain. Ça, c'est du beurre. Alors, pain dur, haricot, oignon. Merde, pardon, j'ai mis à côté. C'est génial qu'on puisse le mettre à côté. De l'oignon. Ok. Assaisonne, jus de citron, poivre de Cayenne. Merde. Assaisonne, jus de citron. Pas assez de jus de citron, trop de jus. Poivre de Cayenne. Bah, c'était bien du jus de citron, ça. Sucre. Est-ce que je recommence tout? Allez, les clients, ils méritent le meilleur. Les clients méritent le meilleur. Donc, on est d'accord, hein. Donc, on avait dit du bœuf. Du bœuf, du pain dur. Du haricot. Des oignons. Il n'y a pas besoin de le couper. Haricot, une pièce. C'est marrant, ça. Et puis, c'est au niveau du jus de citron. Oh, j'en ai mis deux, putain, j'ai recommencé. J'ai recommencé! Gordon Ramsay serait pas fier de moi! Ni Philippe Etchebest, d'ailleurs. Son homologue, oui. Ok, on recommence. On commence. Oh, je déteste ma vie. C'est où? C'est là. Ok, on avait dit du bœuf. Une fois, tu secoues une fois le truc. C'est pas compliqué. Alors, le pain dur. Ensuite, les haricots. Ensuite, la recette à la lettre. C'est déjà, il n'y a même pas besoin de découper les ingrédients. Jus de citron. Hop là. Et puis poivre de Cayenne. Ça dégage. Termine la cuisson. Ok. Ah, bon, faut faire gaffe avec la cuisson. Merde. Ça lague un peu. Ça lague un peu. Voilà. Ah, t'as fini là?
Et voilà, Blood Chili Con Carne. Oh putain, c'est beau. Ouah, c'est beau. Et puis les clients que j'aime pas, je leur servirai ça. Ah, et bah voilà, regarde, on voit même les biscuits et petits morceaux de viande. Eh, bonjour monsieur. Alors, il y a le monsieur qui était là avant vous. I live to eat. Ah oui, là tu vas aimer mon bro. Là tu vas me lâcher ton meilleur pourboire. C'est pas la soupe dégueulasse. Il y a des vrais morceaux de viande là-dedans. Il y a un petit peu d'aliasing. Ah, monsieur, bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Je vous sers une clôture en pierre. Ah, ça, on sait faire, sa spécialité maison. Premier cocktail. Donc on avait dit 2 onces. Hein. Et du cidre. Je me demande quel goût ça a. Un tout petit peu. Ouais, il y en a un petit peu plus. Ce sera pour moi. Ok, donc on avait dit glaçon et la cuillère. Au shaker, pas à la cuillère. Hop là, il faut que je m'habitue. Alan. Ah, il y avait... Comment il s'appelle déjà le... Oh putain. Bon, qu'est-ce que tu veux, toi? Electrify. Whisky shot, un shot. C'était Wyatt Earp, ce film. Ça aurait été génial que le shérif s'appelle Wyatt Earp. Alors, il paraît que c'était, ils ont vraiment existé, la famille Earp, et que c'était vraiment les meilleurs shérifs incorruptibles, tout ça, tout ça. Ah, évidemment, et il a même la gentillesse de me laisser un petit peu de saleté, que je puisse avoir de quoi nettoyer. This drink is liquid gold. Génial. Alors, combien ça m'a fait, 57? Oui, non, alors, enfin, tu peux nettoyer, certes, tu peux prendre la chaise aussi. Donc on peut nettoyer. Alors j'ai pas changé les chaises ici. J'aurais pu. Ça fait tellement peu de centimes que j'ai même pas vu la différence. Allez, je vous apporte ça tout de suite, monsieur. Tellement peu de centimes, j'ai même pas vu la différence. Bon, en même temps, il va pas payer $1. Avec $1, il s'achète un cheval, le mec. Monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Shoot de whisky. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, hop là. Et voilà pour vous. Rapide, efficace. Monsieur, bonjour. Verre de liqueur. Alors, shoot de whisky. Bon, bah, allez. This drink is finer than a cool breeze. Cool breeze. Et voilà, quelqu'un d'autre veut quelque chose de plus sympa? Il est servi là, monsieur? Pas du tout. This drink is so damn good, it could bring a smile to a grizzly bear. How's it going, Doc? That beaten guy from yesterday gave me a load of stress. Everything all right with him? Ah oui, bah oui. Tried to sober him up with smelling salts, then he coughed and vomited blood. Oui. Oh hell. Il s'est assis à côté, le monsieur. C'est étonnant. D'accord, alors, vous, ça va être compliqué, monsieur. Hein. Turned out the blood was from a broken tooth, and the vomit was due to the booze. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Forcément, il dégueulasse le tout. Il faut passer derrière eux pour nettoyer. Mais c'est le docteur qui n'arrête pas de parler. Ça va, je te gêne pas. Hein. Fancy a drink? Je ne te gêne pas, docteur. Yes. Please. Got any gin? Ah bah écoute, Tu t'es assis où exactement, mon bro? Bon, bah pas là, faut croire. Ouais, ça va être compliqué de te servir à bouffer, toi. Monsieur, attends. Blablabla. Et là, on commence à être un petit peu dans le rush. Bon, qu'est-ce que tu veux boire, docteur? Tu veux boire un... Blablabla, un gin droit. Eh ben, mon premier... Verre à pinte, verre à bar. Donc ça, c'est des verres de bar. Évidemment, le gin, c'est là-dedans. Et donc, c'est 3 onces de gin. Le gin, j'ai essayé. Avec du tonic, c'est bien. Thanks a bunch. You're welcome, bro. Alors, monsieur était là avant. Oh, je sais plus lequel. Je sais plus lequel. Liqueur. Shoot de gin. Et by the way, shoot de gin. Got something d'accord, for dans you. Un petit verre à liqueur, vous prenez des shoots de gin. What's comme this? Des... D'accord. Some shady guy tried to sell me a whole crate. Claimed it was a cure-all. Ah bon? Yeah, right. In my ass.
What happened to him? Liver gave out and he died. Left this snake oil with me. Sure ain't medicine, but makes a fine drink mixer. I won't poison anyone with this. Trust me. I had a whole crate of it. Vera liqueur, all right, thanks. Shoot the gin. No problem. See you around. See you, hein. Apparemment, il y a quelqu'un qui s'est fait empoisonner par un serpent. Il est parti, l'autre. Ouais, je crois qu'il est parti. Il bloquait le truc, pourquoi? Pure liquid bliss, partner. You're welcome, bro. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas compris. Ah, merde, il y a encore ça. Ok, bon, moi, il y a eu un petit rush pendant un petit moment, là. C'est surtout lui qui m'a compliqué la tâche. Ah bah, je peux plus. Et bien sûr... Mais arrêtez de vous asseoir à côté, vous êtes chiant, là. Vous êtes chiant, je peux pas vous servir. Bon, il faudra passer le balai absolument partout. Il y a encore 3 assiettes. Ah, tu vois, toi, je peux pas te... Bah oui. Oh, il a tout détruit. Monsieur, c'est parfaitement bon. Oh yeah, food. Ah ouais, food, hein. Et nourriture, tout ça, tout ça. Alors, lui, il veut un verre, mais quand même, j'aimerais bien... Alors, j'espère qu'il va pouvoir avoir des skills, genre balayer plus vite. Avoir une arme, je sais pas. En tout cas, une bonne réputation, là. À part l'autre boulet qui s'assoit n'importe où. Est-ce que je peux t'enlever ça? Non, allez. Eh ben, bravo. D'accord, vraiment, tu... Merci. Monsieur, ça va être compliqué, hein. Si vous continuez à vouloir pas vous asseoir correctement, je vais pas pouvoir vous servir. Il y a du pognon là aussi. L'autre, il a mangé, il s'est barré. Ouais, ça doit être les nouvelles chaises. Bon, c'est pas... C'est une démo, déjà. Et ensuite, c'est un playtest. C'est-à-dire qu'ils me laissent jouer. Ils sont gentils. Et je vous en remercie beaucoup, les gars. Putain, lui, il ressemble à rien. Ok, allez, gin on the rock. Donc ça, c'est du gin vert à barre. Avec des glaçons, bien sûr. 3-11. Allez, 3-11, mon bro, là. Merde, j'en ai mis trop. Ah, par contre, qu'est-ce que c'est, ça? C'est du... De la mer. Ah, bah là, le voilà, la mer. L'autre, il en voulait. Pas de mélange. Et voilà. Et bonjour, Indiana Jones. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut une clôture en pierre. Clôture en pierre, c'est du whisky, hein. What the heck? Il s'est cassé des trucs, là? Il m'a fait flipper. Oh, putain. Je me bourre, là. Cidre. Ok, et puis on avait dit glaçon et à la cuillère. Arthur, cuillère. Qu'est-ce qui se passe? Saut de glace. Ah bah oui, vous avez plus de glace. Je me demandais bien comment je fais de la glace. Vous avez plus de glace. Ne vous inquiétez pas, il y a une vieille glacière dans le bar. Prenez le seau à glace, appuyez sur... D'accord. Attention, la glace n'est pas une denrée courante ici. Bah oui! Le seau de glace. Comment je recharge ta glacière? Ok, alors lui, il... Ah bah c'est machin là, il veut parler lui. Monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Whisky on the rock! Allez. Allez! Ah oui, non, putain. Calme-toi, c'est 3. Whisky on the rock, de la glace. Et c'est parti. Comment ça va, mon bro? Everything okay? How was the auction? Fine. Great, actually. So what's with the sour face? Qu'est-ce qui se passe, mon bro? Quality stuff. Practically a steal. Ah bon? But... The style's kind of peculiar, hard to resell. I'd like to take a look. Come on, how bad can it be?
You do? All right. Drop by later, then. We're here talking furniture, and you're probably thirsty. What'll you have? Je veux picoler un coup, just là. Cider. Light start. Jus de cidre. No whiskey today? Pas de whiskey. Ever heard what a drunk carpenter's short off? Steadiness? Il s'est fait mal. Then more. Régularité. Jesus. Bon, avance, bro. Bon, alors apparemment il veut... verre peinte. Du cidre. Ah mais c'est du cidre. 15 onces de cidre. Non, si je dépasse l'écran, il s'arrête. 3, 4, 15. Eh ben dis donc. Oh ça va, il y en a un peu plus. Il y en a un petit peu plus, il y a 3%, même pas. Excusez-moi, je vais nettoyer cette merde. Ah oui, d'accord. Oh, putain, mais ils sont chiants. It's good. Ouais, je t'en prie, je t'en prie. Glad to hear it. Ouais. But it could be better. Oh non, mais ça try adding some sugar syrup. It changes everything. Ça peut être sympa. Bah t'en as toi du sirop? I'll try that. L'autre il en voulait. Thanks. Ok, alors bougez pas. Putain, non, mais vraiment, ils sont chiants. Les mecs, je vous sers comment, là? Hein? Lui, c'est pas un débilus. Oh, yeah. En plus, il y a plein de places libres. Ici, il faut partir. Hein. Vous voulez quelque chose? Hein. Bon, bah ça c'est pas une réussite, mais bro, tu veux encore parler? Saw your sketch. Hein? Oh, that one. What about it? Cookie? Can you build something like that? With all those fancy details, no. Maybe. But without proper tools, it's a no-go. No-go. Miss McKay bringing them? Regardez, il y a un tableau maintenant. Left them here. Je sais même pas d'où il vient. C'est trop cool. Bon, allez, avance-toi. Little use. Nobody buys fancy. Personne n'achète de meubles de luxe. I've got attends, et on est où là? On est I'll dans un boudoir. Oui, oui. Avance, s'il te plaît, parce que. As for the box, fingers crossed. Voici. Bon, je t'en prie. Allez. Ah, c'est pas tout ça, c'est que j'ai du boulot. Shot de gin. Allez, monsieur. Attends, je suis barman, je prends mon métier. Très à cœur, merci. Un tout petit bout. Donc, normalement, le sirop devrait être ajouté. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Ah bah oui, j'ai dépassé le temps limite, monsieur, mais il arrêtait pas de me parler, c'est pas de ma faute. Je vous promets, hein, c'est pas de ma faute. Il est sympa, voir. Ah oui, c'est vrai. Il avait dit, quand tu voulais redécorer, il fallait fermer. Parce que sinon, les gens s'assoient n'importe comment. Ok, bah super. Trouve la boîte à outils. Ben tiens. Ah bah oui, monsieur est parti aussi. Putain. Je pense que c'est ça, hein, tout simplement. Hein. C'est marrant parce qu'il fallait chercher les endroits où il y avait W. Et comme c'était une Google Trad, il y avait marqué cocher les endroits. Je suis allé voir W. Mais il est inerte, il est à moitié mort, il te parle pas. Donc c'est ça. C'est là où on l'a trouvé la dernière fois. What the hell are you doing? Tu commences pas à péter. This belongs to Earl. Bah oui. And Addy. Not anymore. Do you realize the shit you've stepped in trying to rob me? I was just... Shh, easy now. Want the box? It's yours. Borrowing without asking? No problem. We're friends, ain't we? C'est un mensonge. And? Then friends help each other. Ouais, je suis pas sûr, hein. What do you need, then? Friend? Just a little something. Need stuff from the sheriff's office. Don't want to bother bah, him. Tiens. Not as tight with him as with you. Sure. Faut que j'aille chercher you un truc get dans where le I'm going with this? You non. Want a distraction? Five minutes will do. 5 minutes? When? Soon as you can. Sheriff's been patrolling a while, so he'll likely be thirsty soon. Good, I'll be waiting. Soif. Il me faut du sirop. Merde, je peux pas la ramasser. F-
faudrait du sirop pour lui faire son super cocktail. On n'a pas fini. Bon, je me suis dit c'est bloqué. Ok. Servez vos invités en attendant le shérif. J'ai de la merde, mais j'ai pas encore du... J'ai pas encore du sirop. Ramassez toujours le pognon. J'arrive, messieurs, j'arrive. On a du pognon un peu partout. En attendant le shérif. Le pognon par terre rapporte aussi autant que les verres. C'est incroyable quand même. Bon, monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Alors, verre à bar. Donc ça, c'est Gin on the Rock. Allons-y, servons. C'est bien qu'il y ait une histoire comme ça qui nous... Tu vois, j'ai le truc, mais j'ai pas le... C'est bon. Monsieur, gin droit. Quand tu dis gin droit, c'est verre de bar. Et France. By golly, this drink is the bee's knees. Bee's knees. Monsieur, toi tu veux du... whisky droit. Allez, France, hein. Et voilà. Toi tu veux du... Pure liquid bliss, partner. Comme j'ai... Attends, mais le jeu commence à laguer. Et voilà, monsieur. Boss, you're the best. I know, bro. Elle est invisible, cette chaise. Ok, d'accord. Putain, je vais réussir. Dis-moi, t'as pas de sirop, toi, par hasard, hein? Où c'est qu'on pourrait avoir du sirop? La mer, moi, ça, j'ai. De la mer, j'ai. De tout. Moi, je pourrais faire du sirop. Des haricots, ouais, bah ouais, mais non. D'accord, il y a des alcools de niveau supérieur. Bon, bah, on commande. Évidemment, tu me parlerais pas. Tu pourrais pas me dire où c'est que je pourrais... Qui c'est qui m'a dit qu'il pourrait avoir de la mer? Attends. Alors, j'ai un touche avec ma... J'ai un touche. J'ai un souci avec une de mes touches. Sur mon clavier... La touche Shift pour courir. Ça me rend un tout petit peu fou. Non, enlève-toi. Un clavier qui m'a coûté une petite fortune. Le truc avec la souris m'a coûté 150 balles. Et c'est génial que ça résiste un an. Enfin, en même temps, gamer juteux, quoi. Oh là là, putain, je déteste, vraiment. Ces chaises sont pas terribles, hein. Donc toi, tu veux du salé, Allez, je crois qu'il me reste... C'est tout beau, tout frais, il y en a encore 4. Vous allez adorer. Finally, some grub. Ah, il est là. Oh putain, il est là. Donc il faut que je serve les invités en attendant le shérif. Et voilà, monsieur. If you hadn't opened this kitchen, I might have eaten the prospector. Ouais. Alors, que veux-tu? Whisky on the rock. Ah, ouais. Tout petit peu. Et c'est parti. Insupportable, insupportable. Servez vos invités en attendant le shérif. By golly. Ah bah... Dis donc, toi, qu'est-ce que tu fous là? This drink is the bee's knees. Ah bah attends, alors s'il est là, peut-être que on va pouvoir négocier un sirop, quelque chose. Bee's knees. Amici. Buongiorno, Jack. Buongiorno. Today I bring gift, like a fairy godmother. Fairy godmother. What kind of gift, my mustachioed fairy? A magical concoction that makes every drink better. Cheapest whiskey, warm and flat beer, diluted gin. Just add a few drops of this elixir and voila. Allez. You create a refined flavor blend. That's just simple syrup. Simple syrup. Probablement. Combien je cherchais. But it holds extraordinary possibilities.
Thank you. Listen, Jack. I don't buy your stories, but I'll happily buy the syrup. Magnifico. Magnifico. First bottle on the house. Thanks. Fancy a drink? Sure. What'll it be? I'll have a gin fix. Shaken, not stirred. What's the difference? Stirring's all about subtlety. Keeps it pure. But shaking? That's where magic happens. Better chill, better mix. Really, wakes up the flavors. Capisci? All right, but how do I do it? Moi je fais ça. Don't I need some special equipment? Nah, no need for fancy gear. Just take this board, cover the glass with it, and give it a few good whacks on the table. Okay, let's give it a try. Merci mon bro, tu me sauves la vie. Ok, donc apparemment, verre de bar. Donc c'est un fixation du gin. 4 onces de gin. 4 onces de gin. Oh non, mais t'es sérieux. Ok. Ajouter un truc de sirop qui est ici. Ensuite, tranche de citron. Et puis des glaçons. Alors ce truc-là, c'est pour le secouer. D'accord, il faut le taper dessus. Oui, j'ai vu faire ça, les gens qui travaillent dans les bars. Alors ça te plaît, mon bro ? C'est mieux ? C'est pas mal. Je crois qu'il est content. La peau d'ours est moins contente. Ils arrêtent pas de me ruiner le... Ah, that's exactly what I was talking about. Bon bah super. If you ever need anything. Of course. Magnifico. See you around. Et ciao, hein, Giuseppe. Il s'appelle Jack. Pourquoi je l'appelle Giuseppe ? J'en ai aucune. Ah bah parfait. Il est là, le bro. Shérif, maintenant je peux faire votre cocktail. Pour me one, and make it quick. The street needs me. Allez. Of course, Sheriff. Bien sûr, Sheriff. A neat one. Do I look like a savage to you? Make me a cocktail. Allez. Whiskey cocktail? Fine. Un whiskey cocktail. You Allons-y. Know that fella. Dark hair and jacket? Scar on chest? I think I know il who parle you de mean. Okay, good, donc, good. What do you whiskey. Think of him? He's not much for words, but always leaves a tip. Doesn't he seem suspicious to you? On va se concentrer là-dessus, hein. Donc, I try not to judge a book doses, by its hein. cover. Besides, I've only been here a few hours longer than you, Sheriff. Fair enough. Sirop de sucre. Encore un tout petit peu. Ah d'accord, ça fait ça, d'accord. T'es sûr là? Bah, quand même. Attends, il me fait flipper. Hein. Deux doses d'amère. L'amère, il est là. De la glace, tranche de citron et secouer. Bon, alors normalement, il est nickel. Alors, vous allez m'en demander un, hein, parce que bon, vous allez m'en donner des nouvelles. J'arrive pas à le dire, je sais pas pourquoi. Ah, il en renverse pas une goutte. Excusez-moi, messieurs, il faut que je... Bon, je vais vous servir quand même. Verre à pinte. Well, well, you're getting the hang of it. Keep it up. Non, du cidre, on avait dit. Non. Qui c'est qui casse tout? Il y a le shérif dans le machin. Calmez-vous, bande de cons. Eh merde, j'ai trop d'époux. Il sera pas content. Il sera pas content. Shérif, t'en veux un autre? Énorme.
Ok. Downright legendary. Ah bah tu vois, lui il apprécie. J'espère que je peux. Encore un tout petit peu. Ok, pareil, alors le. Une. Et. Deux. Ok. Ensuite, de la mer. Glaçon. Tranche de citron. D'un coup. Et voilà. Cool, c'est classe. Ça déchire, hein. Bon, j'espère que l'autre, il peut faire ses affaires. Ah, on ramasse le pourboire, hein. Vous m'excusez, shérif, hein. Hey, bartender, pour me another one. Encore un? Putain, mais il va rouler sous la table, le shérif. Bon, en même temps, tu me diras, ils sont tellement bons. Je crois qu'il faut les faire correctement pour le retenir. Je crois, hein, je suis pas sûr. Hein. Oh, il y a du pognon. C'est sale. J'arrive, hein, shérif, hein, j'arrive. Hein. Vous savez ce que c'est? Évidemment, on peut pas laisser l'endroit sale. Parce que, bah, pas. On a une renommée. Renommée. J'ai envie de dire que tout travail mérite salaire. Et que, bah, l'homme qui travaille est un homme bien. Voilà. Allez, donc du coup, allez, un autre. Eh bah, décidément. Et vous êtes fan, le shérif, hein. Je crois que l'autre, il veut que je le. Je vais le saouler, il va être. Voilà. Il se rendra compte de rien du tout. Il a roulé sous la table pendant 3 jours. Donc on avait dit la mer. Alors en Alsace on a la mer bière. C'est un petit goût citronné qu'on met dedans. Ça rajoute de l'alcool, mais c'est vachement bon. Voilà. C'est ce que je voulais que je dise. Tranche de citron. Merde. J'ai oublié la tranche de citron. Oh putain, j'ai passé trop vite. J'ai fait de la merde. Pardon shérif, j'ai fait de la merde. Voilà, à force de vous parler. Détester ça. All right, that'll do for today. Tu roules sous la table, shérif, là? Allez. Ouais, et shérif, je voulais vous parler d'un truc. C'est très très important, c'est ma place dans la société. Je sais pas, j'arrive pas à me trouver. Comprenez, j'ai du mal. Je sais pas où me placer. Est-ce que les gens, ils ont besoin de moi pour faire de la vente, des vidéos YouTube? Qu'est-ce qui se passe? Conseillez-moi, shérif. OMG. Beware the out low. Ah oui, d'accord. Ah mais d'accord, mais le poste de police est ici. Bon écoutez, shérif, on va faire un petit peu le ménage quand même. Parce que moi j'ai pitié de vous. Et vous savez, la loi et moi, voilà, ça fait pas deux. C'est pas vrai. Vraiment, j'apprécie le fait que l'on soit protégé et bien protégé. Ah pardon, excuse-moi. Donc du coup. Donc voilà, moi je vais et... Moi, je pense rendre service à la société, ok? Et vous faites entièrement le bonheur de cette société, j'ai envie de dire. Regardez, comme je m'occupe bien de vous, je crois que ça va, ça ne peut que vous... On va faire un cheval, vous savez que ça porte bonheur, hein? Un shérif. Je devrais faire du RP, j'adorerais ça, je pense. En plus, je pense que je suis pas mauvais pour improviser. On parle quand même d'un type qui est capable de vendre un iPhone à 1200 balles à quelqu'un qui est venu regarder. On parle quand même d'un enfoiré de première. Voilà. Ça c'est pour me faire pardonner parce que quand même la loi, on en a besoin. Et vous savez quoi, shérif, regardez, je prends même ça et on est bien là, on est bien. Allez, allons parler à W. Ah bah tiens, attends, je vais pas. Ah, j'ai tout nettoyé. Tout nettoyé. Non, excusez-moi. Hop là. Et ça. Alors, tout ne se casse pas, shérif. Ah, je suis désolé, hein. Bon, allez, et je vous débarrasse. Regardez comme c'est bien plus propre. Hein. Allez, chouchou, hein. On a fait diversion jusqu'au bout. J'ai envie de dire. Fait diversion jusqu'au bout. Ah oui, alors j'avais mis des...
c'est encore des saletés. Ah, bah oui, ça disparaît pas. Ça disparaît pas. Allons voir l'autre connard. Bah, quelque part, moi j'ai envie de travailler tranquille, certes, mais W, il nous fait vivre des aventures, quoi. Et puis, il m'a quand même filé 100 balles. Parce que là, j'aurais été à 15 balles. Jamais j'aurais pu. Il est où ce connard? Ah, peut-être vers les outils. Parce que jamais j'aurais pu faire du saloon. Ah, bah, tiens, il est même là. Ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire quand même bien plus mieux décoré. Did it work? Absolutely. Bon bah voilà. Any problems? Je pense que si j'avais raté mes cocktails. Not at all. You did good. Here's a little something for your help. Thanks. Think the sheriff noticed? Doubt it. Lucky for us, he doesn't seem too sharp. He asked about you. Really? Il t'a demandé, oui. Quite the detective, yeah. Right when I was snooping around his place. What about the toolbox? Je peux ça, je peux les prendre maintenant. You can take it. Foiré. All right. Allez. C'est un méchant, mais on en a besoin. Ne serait-ce que pour l'histoire. Alors, ça, j'avais pas. Ah, excusez-moi, cher ami. Ça, c'est cool. Il est arrivé tout seul, ce tableau. Hold. Bah, il y en a un autre derrière. Comment c'est possible? J'en ai aucune idée. Aucune idée! Ah, putain, les tableaux, ils sont apparus tout seuls, quasiment. D'accord. Vous voyez très bien. Les tableaux, ils sont apparus. Il y a des petits tableaux derrière. Bon, j'imagine que c'est un peu le... Comment dire, le... Ah, on va chercher la boîte à outils. C'est le jeu qui évolue au fur et à mesure qu'on fait des trucs. Ramène des gens dans la ville, tout ça, tout ça. Bon, j'ai hâte d'avoir le jeu en entier, rien que pour moi. J'en ai marre de faire des démos, vraiment. Mais bon. En plus, on a eu de très très belles démos ces derniers temps. En plus, le jeu que je voulais faire, qui devait sortir au début du mois, là, c'est-à-dire là maintenant, le 30, je crois, il a été reporté au 15. C'est le jeu Sunnyside. C'est un vrai Rabigneur. Voilà. Where did you find these? Wait, hold on. Is that blood? Blood? Nah, just rust. Oui. Rust? Looks like... Yeah, rust. Definitely. Ouais. C'est de la rouille. Hein. So, ready to get to work? Miss McKay's the furniture maker. I just... Do you plan to rent rooms? I... Yeah. Ah, il faut but the guest rooms are in such bad shape that even rats avoid them. Ah, oui. True. How about we fix them up? Sounds great, but... Oh, on va accueillir la dame directement. I can't pay you right now. Not on my tab. Globalement, I owe you one. Let's Allez. Treat the first renovation as a friendly gesture. Huh. All right, then. I'll start on it right away. D'accord, alors apporter la boîte à outils et machin, ça c'est fait. Ensuite, et il va directement faire une... D'accord, c'est lui qui sera en charge de déverrouiller les pièces dans le saloon. Et cours, connard, cours. Voilà. Ma touche qui marche plus. Monsieur, bonjour. C'est toile d'araignée qui réapparaissent tout le temps. Eh les gars, vraiment, les toiles d'araignée qui réapparaissent, ça suffit. Hein. It's over, là. Et les tables qui clipent, faut faire quelque chose. J'aime beaucoup votre jeu. Il manque un peu de vie, mais quand même, c'est bien d'avoir une histoire. Ok, fixation du whisky. Ça, c'est le 4 onces de whisky. J'espère qu'il coûte plus cher, quand même, celui-là. Et on n'oublie pas le citron et de frapper. Ok, du coup, c'est le sirop... Ça donne envie de pipi. Ok, ça c'est bon. Tranche de citron. La glace. Et voilà mon bro. C'est pour toi. J'espère que vous en voulez pas tous un parce que... Gin on the rock. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous prépare. Ah bon, attends. Monsieur bonjour, clôture en pierre. Eh ben ça c'est le classique ça. Classico classique. You're just getting started with this, ain't you?
Ok, des glaçons. Et puis, remuer. Oh putain, j'ai pas remué. Ok, travail de pièces. Donc maintenant, je peux aller acheter des fournitures. Juste servir encore ces trois-là, parce que ça sera les derniers cocktails qu'on va servir. You're just getting started with this, ain't you? What the heck? J'ai mis du gin à la place. J'ai mis du gin à la place du cidre. Ça coûte une fortune, le gin. Et faut arrêter ça. 11, 12, 13, 14. Allez. Alors, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai foutu? Mais je... What I am doing, là? What I am doing? Du cidre. 14, j'ai dépassé le cidre et ça te plaît pas? J'ai dépassé le cidre et ça te plaît pas. Bon, alors... C'est pas possible. Ce n'est pas possible. On est où, là? On est chez Sauvage? Excusez-moi, monsieur, hein. Pas question que je rate votre cocktail encore une fois. Attendez, c'est l'honneur du barman. Pardon, chers amis, c'est bien d'avoir aussi des ratés comme ça. Ok, 14, pas 15. Parce que moi j'avais vu 15. Je me suis dit 15. Je comptais 13, 14, 15. Ah, excusez-moi. J'ai plus de cidre. OMG, j'ai plus de cidre. C'est un cauchemar. Vraiment là, c'est vraiment la ratade la plus complète. On va y arriver, en plus c'est la première fois qu'on le fait ce cocktail, c'est juste. Voilà. On s'y remet. Je vais te le faire moi ton cocktail. Dans la vie, il faut se concentrer sur ses acquis. Et pas abandonner. Sirop, du sucre, de l'eau. Merde, 1, 2, d'accord, tranche de citron. Oh, c'est pas terrible, mais bon, au moins, on a été jusqu'au bout. Et voilà, monsieur, ce fut un plaisir, bien sûr. Bon, bah, il est beau, ce saloon. Évidemment, c'est qu'une démo, mais... Damn, this drink is liquid gold. Eh ben voilà, il adore. Allez, c'est fait, mon bro. Je suppose que j'ai une dette envers toi. Non, dirigez. Ok. Manger. Quelque chose de chaud à manger. D'accord. Les sandwichs. Portez pour la route. C'est sûr. Assurez-vous. Bon. Je peux pas. Les outils de personnalisation sont disponibles. Parce que le salon est fermé. D'accord. Et il va falloir fermer le salon. Make meal to her. Ah, donc il veut bouffer quelque chose. Sandwich, il voulait un sandwich. T'es sérieux, bro? Mais j'ai d'autres recettes. Possible de faire un sandwich? Bon, il veut quelque chose de salé. Alors le poivre de Cayenne, on va éviter. Poivre de Cayenne. Pommes de terre, viande d'organe. Oh, ça a l'air dégueu. Est-ce que j'ai autre chose? Ouais, non. Est-ce que j'ai encore autre chose? Est-ce que je peux faire un sandwich quelque part? Ce serait marrant, quand même. Pas du tout. Bon, bah, je pense quand même que, vu que j'en ai encore, ce qu'il y a de salé, c'est ça. On va peut-être éviter d'en refaire, mais il veut du salé. Et voilà, Earl. C'est dégueulasse. Oh, merci, j'avais oublié. Je trouvais cette photo dans la... sous la chaise. Et qu'est-ce que ça est? Qui sait, c'est l'ancien propriétaire, c'est quoi? L'un d'entre eux me semble familier. Je n'arrive pas à le situer. Celui avec le chapeau, c'est Charlie. Ouais, j'ai entendu dire qu'il venait bientôt. D'accord, non, pas lui, l'autre. Ok. Earl, dire que je connaissais non plus, bon... Tu demanderas à Charlie. Ouais. Mais tu mets de rien, Earl, là. Et bouffe, hein. Je sais pas pourquoi il me montre sur la photo de ce type. Ok.
et du pognon sous la saleté. Bon, allez à la décharge. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, on a plein de choses à jeter à la décharge. On a plein de choses à la jeter. J'aimerais bien quand même finir ce truc. Je pense que la vidéo est un peu longue, surtout que moi je prends mon temps, vous savez bien. Mais quand même, je pense que c'est pas mal. Il eût fallu quand même tout casser. Ah mais c'est quelqu'un de nouveau. Et il prend des photos. Good morning. Bonjour, Indien. Trésor de charge. Ah mais Charlie, la décharge, bien sûr. Chaque objet détruit Blueberry. D'accord, donc ça tu veux que je... Tu veux que je... J'imagine qu'il veut que je fasse le ménage. Dans la possession des essais. Les ordures sont une des monnaies de Blueberry. Ah bon? Bah d'accord. Plus grand morceau d'ordures. Bon, tu veux que je remplisse, quoi? Parle à l'étranger. You're Charlie. Bah oui, t'es Charlie. Right? I read your letter. How's the search for Dulcinea going? Alors, t'as trouvé de la pépette? Working on it. And you are? Et moi, je suis nouveau bartender. I'll be running the bar. Cheyenne? Cheyenne! Pleased to meet you. You have no idea how glad I am to see you again. Ah, vraiment? Again? Sorry, but I don't recall ever meeting you. What? I mean, what I meant was, I'm glad someone's running the saloon again. Forgive me. Where are my manners? Charlie Duff. Trading recycling crafts. D'accord, c'est passionnant. What brings you to... Qu'est-ce que tu Who veux? Is that guy in the picture? Et on s'en... Bon, on s'en... Show me. Bah, montre-lui. Oh yes, that's your predecessor, oui, Simon. On l'a mis chez le croque-mort. Right. He looked very different when I saw him. Great guy, very educated and polite. Do you know him? In a way, oui, I suppose. Mais pas longtemps. How is he now? He seems to be dead. Il est mort, mon bro. Oh, that's unfortunate, isn't it? What happened? Eh ben, j'en sais rien. Beaten to death. Battu à mort. Ah bah si, finalement, je sais. Now that you mention it, I guess, I didn't know him that well. We took that picture when we started doing business, but we C'est didn't quoi, really ton talk business? Much after that. What kind of business were you in? Barter. I find worth in items most would discard. Bring me any old thing ah, you d'accord. toss away. Anything specific? Glass, metal, wood, paper. The four elements of modern civilization. Recyclage, quoi. Seems fair enough. Till late. A plus tard, hein. Bon, ce qu'il veut, c'est des ordures, quoi. Jette un œil. Rassemble la décharge. Ramasse les déchets pour Charlie. Bon, bah, Charlie, c'est bien, mais. J'ai déjà des déchets à aller chez Charlie. Ils sont juste sur le côté. Donc, je vais faire ça, et puis bah, je vous reprends tout à l'heure. I got something for you. Splendid. Throw it on the pile. Sur la pile. You've got an eye for scrap, but I need a feast, not a snack. Bring more, will you? Ah, d'accord, donc il a des trucs à revendre. Attends, de niveau 1. Ah, on peut acheter ça. Oh, ça coûte cher. D'accord, donc plus je lui emmène des merdouilles, plus je peux acheter des merdes. Oh, il y a un crocodile. C'est des voiles de pirates. C'est quoi cette histoire? Oh, il y a un singe. J'ai pas de verre, je crois. Je crois que j'ai pas de verre. Et puis, il y a cette... Bon, bah écoute, pour l'instant, je commande ça. Ok. Great, just give me a second. D'accord, donc plus je lui apporte des trucs, plus je peux, plus il peut me fabriquer des machins. Ah mais ça peut être sympa ça. You know, it's still pretty hard to get your hands on a camera, but mark my words. One day there will be one in every home. À la photographie, bien sûr. It's human nature. Lumière. We like to own things. Land, people, and now even moments.
Frankly, I don't blame my tribe for not liking photographs. Tu veux qu'on prenne une photo, Charlie? Bon, Charlie, ici. Allez. Et puis le prochain... Barman. Now, try to stand still. On va pouvoir... C'est con, mais je bouge pas. Eh ben voilà. And that's enough. Le photographe. C'est marrant parce qu'aux États-Unis, ils disent toujours photographe pour une photo. Bon bah voilà. Attendre que la photo soit faite. Bah est-ce qu'on n'a pas un peu fini là? Il faudrait qu'on aille encore poser les. Ce qui nous a filé. Voilà. Eh hey, t'as fini mon bro là? Il faut que j'attende. Ça prend combien de temps? En général, ça prend genre 10 minutes normalement. D'après mes souvenirs. Parce que j'étais là à cette époque. Quand il faisait des photos comme ça, bien sûr, je suis tellement vieux. Ah, on va vérifier si Charlie va bien. Bah, qu'est-ce qui se passe, mon bro? Qu'est-ce qui se passe, mon Indian bro? How did it go? Me, of course, fine as always. Comme toujours. But you all always make such silly. Bon, qu'est-ce qui se passe? Montre-moi. Not bad. Ah bah voilà. Wait. C'est le même bonhomme. C'est le même bonhomme. I was hoping you'd notice. Wanted each of you to come out identically. What do you mean by each of you? Let's see. Before Simon, there was Jesse. Allez, j'en étais sûr. Overall, after about four or five of you, I came up with the idea to... This is Eli. To take these photos. Funny, isn't it? This ouais, one is... C'est vrai. Virgil? No. Chester. And this one is Virgil. Allez, y en a eu combien? Sorry, I'm getting you mixed up. It was almost half a year ago. 6 mois. Rufus allez. Was here very briefly. Overall, I guess no one lasted as long as Simon, but I guess Mr. Locke just liked him. Everything <J'aime> okay? <bien. laughs> You look a bit pale. Ouais, bien I... sûr. Bon, j'imagine que nos jours sont comptés. Ah bah tiens, bah ça s'arrête peut-être maintenant. Allez. Au prochain, j'ai envie de dire. Ah, je pensais pas que ça irait si vite. Je pensais pas que ça irait aussi vite. Ok, cette courte aventure conclut le développement du salon simulateur. Bon bah voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Oh, on aurait pu aller... You okay? Ah mais merde, il se relève. You passed out for a second there. I need to get back to work. Quelques secondes. You sure? Oh, all right then. Good luck. Merci. Bah c'était peut-être qu'un mauvais rêve. Qu'un mauvais rêve. Ok, découvrir les chambres d'hôtes. Ah bah attends, oui, bah on peut au moins faire ça. Je sais pas si on peut avoir la dame. Non mais il faudrait refaire une autre vidéo là. Elle est beaucoup trop longue. Oh, elle sort demain. Tant pis. Putain mais c'est pas possible. Elle est beaucoup trop longue la vidéo. Beaucoup trop longue. En tout cas. Décorer la chambre d'hôte. Encore du pognon, on a encore du pognon. Allons voir tout de suite chez le décorateur. On va essayer de faire vite, hein, je vous garantis rien. Comme d'habitude, j'aimerais bien au moins voir la dame qui est là. Il faudrait tout ramasser. Cuisine, chambre d'hôte. Ah bah voilà, t'as 10$ le lit. Énorme, coûte une fortune ça. Donc ça, ce ne sera prêt seulement. Tiens, je crois que je peux en acheter un ou deux. Et puis, une petite table là. Oh, ça c'est joli ça. J'ai un bon lit là. On va acheter un lit magnifique, ma chérie. Et puis, luminaire. Pas de luminaire. Le bar, tout. J'aimerais des décorations, genre toi. Des trucs pour changer les murs. Oh, il est bien ça, ce truc là. Peau d'ours. Et il y a un nouveau tapis, tiens. Oui, ça peut servir. Ah, on va tout bazarder. Hein. 50 balles, j'ai plus de pognon. J'ai plus de pognon. En même temps, avec 18 balles, on peut en faire des choses, normalement. Alright, allons-y, voyons voir. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de... Comment dire? De plancher différent. Vraiment, le plancher, tu ne vois que ça. Ah oui, c'est vrai qu'il faut fermer, je crois. Je crois qu'il faut fermer avant de pouvoir décorer, c'est ça, hein? Ouais, tu vois, tu peux le ramasser.
mais il faut impérativement fermer le... Merde, je l'ouvre. Non, c'est close, c'est clos. C'est clos. Faut attendre avant d'ouvrir, bien sûr. Puis peut-être que la dame, elle peut venir. Alors... oui, alors, d'accord, oui. Déjà, le... Je peux pas faire le... Je peux pas faire le mur. D'accord, on a plusieurs, ça c'est utilisé. Et bah super. Ouais, non, sûr, c'est bien. On confirme. On peut même faire le plafond. D'accord, pas de... Par contre, je peux le teindre. Toujours pas. Ça, on peut mettre... Ah, ça, c'est bien, ça. Oui, plutôt celui-là, parce que ça, c'est très moche. Ce photo-là est excessivement moche. J'ai pas de tapis. J'ai pas une peau d'ours qui traîne. Ah, si, tiens, regarde, là, j'ai un tapis. Oh, on va lui mettre ça de plus joli, là. Soyons fous. Le beau bureau. Il est magnifique, ce bureau, là. Dépenser sans compter. Même un porte-monde. Ouh là, génial, j'ai un singe. Oh, le croco, il est trop bien. Oh, le croco, il est trop bien. Ah bah voilà, si, quand même. Bah écoute, on va mettre la peau d'ours. On va faire des saloperies de... des... Allez. Évidemment, ça... Ah bah si, quand même. Il était temps. Yeah. Non, ça, c'est bon. J'en ai... Eh bah alors, c'est bon. Et il manque un... Ah, les rideaux. C'est vrai que j'ai acheté plein de rideaux. Je peux faire rideau fermé ou rideau à moitié ouvert. On va laisser la... On va laisser la lumière passer. Continuez à améliorer votre saloon. Et bah voilà la rambarde. Oh putain, c'est dommage. Bon bah toi, par contre... Dégueule hein, ce tableau. Évidemment, tout est revenu. Oh là là. Tout est revenu. Bon, j'ai envie d'arrêter de jouer quand même. Voilà qui est fait. Continue d'améliorer. Bonne chance, partenaire. Eh ben, je pense qu'en fait, c'est finito. Je pense qu'en fait, c'est finito. Si je mets des motifs différents à chaque fois, ça va être vite dégueulasse. Non, ça je peux pas. Par contre, je peux te peindre. Ouais, ça imprime pas beaucoup la peinture, évidemment. Bon bah, c'est plutôt charmant. C'est plutôt... Tout est revenu, tout est revenu. Mes chers amis, je crois qu'on va s'arrêter là. Vraiment, la vidéo est beaucoup trop longue. Je pensais peut-être voir la personne qui arriverait, mais apparemment, ça ne va pas. Le salon est maintenant ouvert. Continuez à améliorer votre salon. Oui, mais bon, voilà qui est fait. Bah, chers amis, et gros pouce bleu, gros abonnement. Il y a tellement à faire dans le jeu. C'est absolument génial. Il faudrait même d'ailleurs... Non, mais trop bien ce fauteuil. Bon, faut que tu t'arrêtes. Faut que tu t'arrêtes. Il faudrait même d'ailleurs... bah, je sais plus. Oh mince, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, oh, bah, je suis trop con. Ok, ah oui, il faudrait même d'ailleurs ramasser toutes les merdes et puis aller emmener tout ça chez l'Indien et puis il va nous faire des trucs, tu vois, le verre, là on en a plein. Ça, il faudrait faire tout casser, tout ramasser, tout emmener, bref, vous avez compris. Mais bon, on a un salon qui est quand même magnifique, un saloon bien sûr, qui est quand même magnifique. Moi, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, gros pouce bleu, gros abonnement, gros bisous bien sûr. Et puis bah, chouchou bye bye, à la prochaine. Il veut quelque chose d'épicé. Tu veux manger épicé? Mais tu peux pas faire les deux en même temps? Allez, chouchou bye bye.